Le dispositif qui intègre un autopiqueur et un collecteur de sang. Donc ici c'est à usage unique, donc on va appuyer sur le bouton pour piquer au bout du doigt. On collecte ici une petite goutte de sang et ensuite on transfère le sang sur le réactif de cette manière en toute sécurité et simplicité. Et ensuite on va rajouter deux gouttes de solution tampon pour qu'il y ait une migration et ensuite on aura un résultat en 15 minutes. Donc ce test est un test sérologique, c'est-à-dire il utilise une goutte de sang prélevée au bout du doigt et il va indiquer si le corps a réagi au virus, donc c'est-à-dire si le système immunitaire d'une personne qui a été en contact avec le virus. Donc si elle a été en contact avec le virus, on peut dire qu'à entre 10 et 15 jours, elle va développer une immunité. Et on va pouvoir la détecter avec ce test. Alors où va-t-on pratiquer ces tests? Chez le médecin, au laboratoire, à la maison? Donc ce test est destiné à un usage par les professionnels de santé et il pourra être utilisé aussi bien dans les laboratoires de biologie qu'au chevet du patient. Que peut-on dire sur la fiabilité de ces tests? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? On a entendu beaucoup de tests qui faisaient des faux positifs. Alors écoutez, pour être très franc, c'est les experts qui ont évalué notre test et les résultats seront sur notre site web sous quelques jours. Quand ces tests seront-ils disponibles et en quelle quantité? Donc on lance des productions de masse. On est en train, tout le monde travaille très très fortement parce que notre test est fortement attendu sur le terrain. Et donc les premiers tests seront livrés avant fin avril et nous produirons 6 millions de tests ces 6 prochains mois. Quelle est l'utilité de ces tests dès à présent? Finalement, est-ce qu'ils ne seront pas plus utiles en sortie de confinement quand on voudra savoir qui est touché ou pas? Alors, dès aujourd'hui, on a des médecins urgentistes qui ont également participé à l'évaluation de ce test. Et ils nous ont dit, vraiment, avant, on travaillait dans l'aveugle. Et aujourd'hui, ça nous permet de savoir, d'avoir plus d'informations sur le patient et s'il a développé ou non une immunité déjà. Et en fait, c'est tout à fait complémentaire à toutes les autres technologies de laboratoire. On parle beaucoup de biologie moléculaire, etc. Donc on va détecter des fenêtres différentes des personnes si elles ont été ou non en contact avec le virus. Et en effet, post-confinement, ça va également permettre de savoir quels sont les patients qui ont pu développer une immunité et qui seront en principe moins à risque et quels sont les patients qui n'ont pas été en contact avec le virus et qui du coup n'ont pas développé une immunité. En quoi vos tests sont-ils meilleurs que ceux qu'on a actuellement? Alors, comme je vous le disais, on présentera les résultats sur notre site web. Mais ce qui est unique et exclusif, c'est ce boîtier tout en un révolutionnaire qui permet vraiment qui intègre l'autopiqueur, le collecteur de sang et on rajoute deux gouttes. On a un résultat en 15 minutes. Donc ça va vraiment simplifier la vie de tout le personnel médical.